gumbo. Samuel in vive 4 ans dans la rue parce qu'il ban la die qu'il y a un sorcier. Azodi li pe à l'école, li fait retourne dans sa famille. Chaque fois que je donnais cours, Samuel suivait le cours par la porte. Chaque fois que je me donne leçon, Samuel est toujours devant la porte. Et ça te fait moi dire moi-même, nous bien retrouver famille ces enfants-là. Dans notre recherche, on a pu. Dans nos bonnes recherches, nous finirons réussir et trouver Enso Ban ma tante. Les fins donnent nous à l'adresse-là. Beaucoup insisté et la tante a pu nous donner l'adresse de ces lieux. Comme Mofine enceinte Samuel, son papa pas tiré connaître lui. Mofine a coussé. Mofine grandit lui. Après, nous finissons le conduit à lui côté de la famille son papa. Mofine quitte lui avec son grand-père et son grand-mère. Les autres finissent accepter lui, mais c'est les autres qui finissent abandonner Samuel dans la rue. Ou pas-tu au courant quand les finales dans la rue? Ce n'est que beaucoup d'années après qu'il nous fin connaît. Aujourd'hui, Joséphine fin mariée avec José, ils fin gagné 4 enfants. Moi bien connu l'histoire Samuel. Moi aussi ça fin fait moi souffrir. L'anima. Tu besoin donne lui son sens. C'est ça qui donne nous la joie. Dans nous, Ban Congo, nous dit si tu comptes en pied sa foutue, tu es bien content souffrir aussi. Ça fout. Moi, je suis content sa pied là. Avec Kouma ou Lé, je n'ai pas content souffrir. Allah qui fait nous bien God Samuel contre nous. Pour qu'il y comprenne qu'il est son papa et qu'il nous capable de trouver un chemin ensemble. Ça fait trois semaines qu'il est dans sa famille et ça fait lui bien plaisir. Ici, il y a beaucoup d'immun qui finissent vivre ça l'expérience qui Samuel in vive là. Nous dans Kinshasa, capitale République démocratique Congo, en la ville côté na 8 à 10 millions d'habitants, qui après 30 ans dictature président Mobutu, et 10 ans la guerre civile, PSC ici à vivre jour après jour. Samoala, net fogo d'amenou dans ban lari Kinshasa, pour joindre sa ban enfants qui vivent la nuit avec les eaux dans rond-point Nengaba, dans la commune Makala, parce qu'ils ont famille une résette zut. Avec Arnold et François, nous finissons dans notre quartier général. Généralement ici on les appelle des Chege. Généralement ici nous appelons autres Ban Chege ou bien Ban Fazer. Pour se nourrir. Pour qu'ils soient capables de manger, ils ont besoin de faire un petit travail. Ils ramassent la braise, ils vont les revendre. Ils ramassent la braise pour revendre et c'est avec sa casse là qu'ils ont essayé de gagner une bouche et manger pour la journée. Ils ont un seul moyen de relation. Seul moyen pour entrer en relation, qui s'abandonne aux enfants là, Ena, c'est la violence. Se battre. Pour manger, pour habiller, ils ont besoin de la guerre. Enfin, tous autres la vie, ils ont besoin de débattre pour exister. Ils doivent se battre pour s'assumer, en fait. Ici, dans la rue, c'est Ban Grand Chege qui occupe Ban Tipti. Moi, je vis dans la rue depuis que j'ai 13 ans. À cela, j'ai 25 ans. Je finis de vivre 12 ans dans la rue. Pourquoi tu es parti dans la rue? Qui fait te final vivre dans la rue? Je finis de faire ça à cause de la souffrance. Ici, nous, dans le Congo, nous sommes nombreux dans la nous avons 11 dans nos familles et que ma famille n'a pas gagné assez d'argent pour occuper nous tous. Pour nous encadrer tous. À l'Ozodi, je vis dans la rue. Moi aussi, il y a un enfant qui appelle Chris, mais il n'est pas ici dans rond-point Ngaba. Comme moi, je vis dans la rue. Pareil que moi, je vis dans la rue. Mes femmes et mes enfants aussi vivent dans la rue. J'aime beaucoup aussi ma fille. Et mon content me suffit beaucoup. Les filles gagnent à peu près 5 mois. Je suis content et j'ai un travail et que je trouve ma place dans la société. C'est aussi quelqu'un parmi les gens.
Zodi, Gaylor a 13 ans. Ce maman n'est pas capable de ni manger dans la case. À force de les manger dans la rue, c'est depuis qu'il y a 8 ans qu'il rompt un gaba une vigne sur la case. Tous les jours, l'IR dans le centre Nedako Yabiso, un centre d'accueil que la communauté Chemin Neuf animé pour sa bande d'enfants qui vivent dans la rue. Là, ben animateur pérodé qui manière pour faire pour que Gaylor retourne dans sa famille. Gaylor, en fait, on l'a déjà. Gaylor, nous fin faire lire et tourne des fois. Mais maman là, il est tellement pauvre qu'il n'est pas capable de plier. Ni il y en a assez l'osant, ni il est capable de lui assez l'affection. On a retrouvé son papa. Son papa qui a une bonne. Mais nous fin retrouve ce papa qui a une bonne situation. Parce qu'il y a un directeur dans SNE. Alors, nous finissons le guetli avec Gelo, nous finissons prier ensemble pour que Gelo gagne assez la force quand il besoin de son papa. Et quand nous finissons arriver, Gelo, il finit de guetter son papa et qu'il finit d'y aller. Qu'est-ce que tu finis d'y aller? Qu'est-ce que tu lui as dit? Papa, c'est Mike. Et lui a dit. Il finit d'y aller. Est-ce qu'il te connaît qui s'en là, moi? Alors, son papa, tu d'y aller? Oui, tu es mon garçon. Alors, c'est Diali. Et tu connais comment moi appelé? Est-ce qu'il te connaît non, ton garçon? Alors, papa l'a une baisse solisier parce qu'il n'y pas t'y connaît. Et après, tous les deux, je te finis prendre le temps pour causer ensemble. Et donc, normalement, si elle a papa là, a pu discuter avec ce nouveau madame pour trouver dans quelle façon pour accueillir Ali. Pour trouver une autre solution pour l'accueillir. De l'eau dans la maison. De l'eau dans la case. Oui, ça, c'est côté de maman qui a de l'eau dans la case. Mais côté de papa qui te fait peine. Toi, tu veux aller chez papa? Toi, tu as envie d'aller côté papa ou bien côté maman? Na papa, na maman. Na papa. Na papa. Tu as un papa. Alors, si Finn commence à pleurer, quand les Finn trouvent que son papa a un tas de dossiers, il connaît crier, les Finn disent, mais mon papa, il connaît crier, il cause français. Et que son maman, il laisse nous vivre dans la misère, et jamais les Finn montrent moi lié avec écrire. Et les Tioulé retrouve son papa pour qu'il lui montre lui lié avec écrire. C'est dans sa sente Nendako Yabisola qui tous les jours nous accueille et nous suivent 40 garçons 6 à 18 ans qui commagent l'eau. C'est là qu'ils sont capables de gagner un repas, gagner un premier soin, laver leurs linges et suivre un cours d'alphabétisation. La mission d'abord ici. La mission ici, il y a une lutte, un combat. Et premier combat là, il compte la misère. Il compte tout ce qui est capable d'étrier un visage humain. Un visage humain. Quand une mère abandonne son enfant. Quand une maman abandonne ses enfants, ça, il n'est pas du tout dans qu'il est africain. Il n'est pas dans la nature humaine. Pour qu'ils autres fins arrivent là, c'est parce qu'ils autres fins dépassent une limite, la pauvreté, que tout du monde bise un débat de poussière vive. Où tout le monde en est réduit à sa propre survie. Et finalement, c'est seulement quand mon fin prend conscience qu'il est Seigneur, donne-moi un bousser manger, qui me commence ouvert me la main et que me le cœur. Me donne de quoi vivre. Pour moi, l'un des plus beaux témoignages. Pour moi, un man plus joli témoignage, c'est nous, ban maman bénévole, qui a le prépare manger tous les jours pour sa ban enfants là. Souvent, c'est ban femmes qui vivent comme ban les autres femmes dans sa pays là. Parfois, je pas même en assez manger pour cette famille tous les jours. Et pourtant, je fin choisir, chacun son tour, pour prépare manger tous les jours pour sa ban enfants là. Simplement parce qu'ils ban encore plus d'empins qu'ils autres. Parce qu'ils étaient plus démunis. Je crois que c'est l'abbé Pierre qui te dit à sa parole là. Nous quittons la misère quand nous capables d'occuper un démon qui plisse dans la misère qui nous. D'un plus miséreux que soi. Ces enfants-là. Nous transforme. Ces bons enfants-là font beaucoup de transformations dans nous la vie. Je tiens nous dans notre tristesse. La tristesse. Quand mon mari est mort. Comme mon mari Timo, me suis senti moi abandonnée. Abandonnée. En venant à l'église. À l'époque, je venais. Quand je viens à l'église, à l'époque, me tiens chrétienne du dimanche. Mon père s'occupe non ni. Quand les films mots, me t'y trouvais qu'il vaut mieux me consacrer moi dans me la prière pour Zizi
et qu'elle servit sa bonne enfant dans la rue. Mofine, mette-moi au service les autres, et ça fin donne-moi beaucoup la joie. Je me suis mis au service des autres, ça m'a donné beaucoup de joie. Pour qu'un enfant tienne dans la rue, c'est la rue, c'est tellement pas un endroit normal pour les enfants qu'il y trouve lit dans une situation la violence pour s'y vivre. Et tant que l'enfant ne s'est pas autorisé à redevenir un enfant, c'est-à-dire tant qu'il nous permet un enfant, revient un enfant, c'est-à-dire qu'il y arrive des panneaux ban adulte, il reste dans sa rapport la violence qui s'est pas liée avec monde adulte. Quand l'enfant vient vers nous et puis sollicite simplement... Quand ces enfants-là viennent à nous, quand lui dit manen tigaté, quand un enfant permet lui-même revient un enfant, alors nous connaît qu'il nous fait faire un pas en avant. Et c'est l'eau-là, l'eau sa base-là, qui nous commence sa réinsertion. On peut viser la réinsertion. À ce moment-là, Nazaki n'a pas dit... C'est à l'époque-là, Moti gagne beaucoup de difficultés pour vivre avec gloire parce qu'il est une mauvaise aile au lit. Comment un parent est capable de s'y porter ça? Moti peut apparaître Limba Yimbu, mais au final, dans un groupe dans Kasavubu, responsable à l'y appelle Papa Ntiala. Mofina mène gloire dans sa groupe-là pour qu'il bâne l'exorcisme. Qui Mofina fait avec gloire? Vraiment, Mofina s'y fait l'édito. Mofina pousse-le depuis la case parce qu'il y tient à la tête d'hier. C'est à l'époque-là qu'il y a pu dormir dans une bâne la case abandonnée. En juin 2004, gloire fin retrouve-le dans la rue parce qu'il bâne a pu dire qu'il y a un sorcier. Mon animal, mon pain des animaux, mon lequel il part en rose, il a serre. Avant, mon petit apé envie à prendre, jamais mon petit pensé à le vivre dans la rue. Mais mon fin arrive jusqu'à ce point-là, que mon père retrouve moi dans la rue. Mon maman tisou ou moi. Il dit à moi qui personne dans ma famille pas content moi. Ça t'y extra dérange moi. Alors je me suis décidé pour rester à un côté, pour quitter d'autres. Avant même qu'ils m'ont allé, je me suis dit à ma maman, je peux aller. Mais moi qui gardé, un jour c'est un autre qui peut payer mon école. Et bon Dieu peut aider moi. Quand je suis appelé ça, je ne peux pas connaître du tout que je peux aller. Gloire, nous l'avons rencontré autour du rond-point Ngaba. Gloire, nous finissons une zone libre près du rond-point Ngaba. Quand les fins arrivent là, nous finissons écoute lui. Et pour les coups, nous finissons retrouver sa famille, nous finissons retrouver sa maman. Et nous finissons commence une négociation quand nous finissons essayer faire qu'il y ait une maman et que ses enfants réconciliés. L'enfant et sa maman en fait. Zouz est arrivé, me suis dans ordre, me viré, me trouve un homme qui peut venir avec gloire. Mo fin gagne paix, vraiment, me suis gagne un vrai la paix. Frère en eux, tu dis à moi, maman, papa bien paix. Liti demande moi, maman, est-ce qu'il est capable d'expliquer comment les enfants capables quittent la case pour aller rester dans la rue? Mofin racontait comment Moti pousse ses enfants-là depuis la case. Alors, Mofin demande pardon au garçon parce qu'il Moti a pu réaliser qu'il Moti blesse lui et que sa souffrance-là fin fait lui venir en chégué. Zodi, depuis janvier 2006, Gloire vit avec sa maman et son petit frère dans la commune Selembaou. Mon maman demande moi pardon. Et moi aussi, mon fin pardonne lui tout. C'est ce pardon qui fin donne moi ça la joie pour revenir la case et aussi pour étudier. Une autre activité qui m'offert aussi, c'est les ordinaires.
Pour ça, je t'ai appelé prier bon Dieu. Seigneur, aide-moi à trouver un endroit que je suis capable de faire mes ordres. Comme ça, les mots vannes, ce qui m'a fini de planter, au moins je suis capable de faire quelque chose. Et bon Dieu, écoute-moi la prière. Je te cause ça avec un moment comme moi, et lui dit à moi, si tu es qui nous a le travail, avant mon besoin, dis-moi de mon papa. Nous finalons, à Zodi, nous travaillons ensemble dans un ordre. Zodi, après 2 ans, sa processante Ndako Yabiso fin permettre plus que 120 enfants retournent dans notre famille. Pas loin avec sa sante là, l'école Sainte-Christine qui fin reconstruire en 2 ans grâce à mobilisation beaucoup d'immunes dans le pays. Grâce à un réseau de solidarité extraordinaire et ban parrainage avec la France et la République tchèque, nous fûmes capables de reconstruire l'école Sainte-Christine qui accueillait plus de 1200 enfants dans une classe maternelle, primaire et prévocationnelle. Nous avions beaucoup de filles qui couraient la rue. Il y a beaucoup de filles qui traînent la rue toute la journée, n'ont rien fait. Et résultat, je tombe enceinte avant l'air. Mais quand nous encadrons les autres, nous sommes capables de nous donner un métier. Comme ça, nous sommes capables de gagner les autres la vie. Et qu'ils puissent gagner leur vie normalement. Il faut que des filles. Pour nous, bizarre qu'il y ait une fille qui est une bonne maîtresse de maison, qui est une bonne poutine de la case. La reconstruction, c'était pas que. Quand nous causons reconstruction, nous pas causons ce bâtiment. C'était aussi essayer de construire une équipe pédagogique, une fraternité enseignant qui priait et partageait ensemble lorsqu'ils vivent vivre avec bons enfants. Avec les enfants, c'est de pouvoir. Ce qui est important, c'est construire une pédagogie pour l'unité. Une de nos bonnes questions, c'est qui ces bons enseignants-là gagnent assez bon la paye, comme ça, ils n'ont pas passé la moitié de leur temps en route de leurs ans pour occuper leur famille. Lucie, un jeune français, est membre dans sa fraternité enseignant. Depuis 2-3 mois, il est avec la communauté de Kinshasa et lit dans sa prose jet, jeune à l'étranger. En étant avec ses enfants. Comme moi, avec ces bons enfants-là, je donne moi plus ce qu'ils sont capables de donner. C'est là qu'ils m'arrivent vraiment à comprendre l'évangile, c'est là qu'ils me rencontrent le Christ. J'ai l'impression que le Seigneur. On a l'impression que le Seigneur finit de construire ça à l'école, la communauté, quand il y appelle les uns que les autres, qui nous capables d'amener sa mission là ensemble. Zodi, Zota 25 dans Kinshasa. Zote n'a 6 nationalités différentes qui peuvent vivre dans sa la case dans quartier Rigini, dans la communauté Chemin Neuf. Qui les hommes, qui les femmes, qui les prêtres, qui les célibataires consacrés et qu'une bonne famille, je tonine choisir pour mettre eux au service de l'Église, pour suivre un saisi pauvre et humble. Le Seigneur m'a rencontré, j'ai rencontré le Seigneur. Le Seigneur a fini de rencontrer moi, il m'a fini de rencontrer lui. La prière aide-moi si tout dans le travail, avec mes enfants dans la rue, avec mes tchégués. Mais c'est vraiment la prière. C'est vraiment la prière qui donne moi ça la force intérieure pour rester avec ces bons enfants là. De rester auprès de ces enfants. En venant ici, en traversant de l'autre rive. Je suis sorti du Congo Brazzaville. Quand je viens ici, je me pose moi-même beaucoup de questions. Lorsque je me dis que je vis ici. Mais de plus en plus, je me rends moins compte qu'il y a au milieu ce qui nous était avec toutes nos nationalités. Et il y a une présence, un kiken qui l'a, qui attire nous. C'est Zézi. C'est Jésus. Pour moi, la chose la plus importante qui me construit, c'est de. Ce qui est plus important pour moi, c'est qu'il me connaît, qu'il me capable contre aussi pauvre mon bon frère et qu'il m'en a pas tout seul. C'est pas tout seul qui m'a essayé d'avancer, mais avec bon frère et bonne sœur. Mais c'est avec des frères et des sœurs. Mmh.
la vie communautaire, c'est un trésor. La vie communautaire, il y a un trésor précieux, mais il y a aussi un trésor fragile. Donc c'est vrai qu'il nous y a maintenant communautaire régulièrement, maintenant réconciliation entre nous. Parce qu'on sait que. Parce qu'il nous connaît qui ça l'alliance entre nous là, il est bien important, il est vital. Il est vital pour chacun d'entre nous, mais aussi pour sa mission qui le Seigneur finit confier nous là. Donc, ces liens-là, donc c'est sa bonne relation-là qui nous vise à protéger jour après jour. Ce dont il faut prendre soin jour après jour. C'est comme ça que Sœur Eliane, qui sortit Côte d'Ivoire, les maîtresses de maison pour la communauté depuis septembre 2004. En arrivant ici, quand je regardais... Moufine arrive ici dans Kinshasa et quand me tipeke de bandimoun autour moi, bonne situation, tous les temps me tipe à peu comport avec mon pays. Dans mon pays, c'est pas comme ça. Quand je voyais la façon. Moi, dit à moi-même, mais dans mon pays, il n'est pas pareil. Quand je me de façon qui bantifie habillé, moi, je dit, ça, il est impressionnant. Quand moi, dis moi ne pas faire comme ça. Et facilement, je suis capable de rendre une comparaison et un jugement. Dans le jugement. L'autre chose, c'est que entre nous aussi. Et une autre qui chose, quand nous habitiez, cause beaucoup l'on sait qui nous vivent. Tout ça ben demande là. Nous assez sollicités en tant que religieux, et c'est vrai qu'il satisfait un oreiller. Et c'est vrai que on oreillait. Parfois, nous t'y capables de rendre un bon jugement, et c'est qui t'y aide moins sens mon manière de cette situation-là, manière mon guet ban dimoun, et surtout sens mon manière cause la bonne situation, c'était ban présence ban frère du pays dans la communauté. Dans la communauté, en fait. De savoir que j'avais des frères. Le fait qu'il me connaît qu'il n'a pas de frère du pays, dans la communauté, me dit à moi-même, je n'ai pas capable de permettre moi cause leurs autres pays dans sa façon-là. Par respect pour les autres, je suis besoin de respecter les autres. À respecter. Et je me souviens que pour moi, ça a été l'occasion même de. Et me rappelle qu'il moi, ça tient l'occasion pour dire à mon frère congolais, pardon, pour ma façon qui me suis capable cause lors ce qui me peut trouver. Parler de ce que je voyais, quoi. Et je crois que ça a changé. Et ça finit de moi sans moi-même et sans ma manière cause lors ce qui est devant moi. Et le fait qu'il me connaît, qu'il me paye aussi, la Côte d'Ivoire, qui a peu traversé une période de la guerre, me croit qu'il s'attire de moi, prend un peu moins au sérieux. C'est vrai qu'il donne certaines façons. Quand nous comparons la Côte d'Ivoire avec Congo-Kinshasa, quand même, la Côte d'Ivoire est plus importante. D'une certaine façon, inconsciemment, je crois qu'il y avait une fierté en moi. Et inconsciemment, me croit qu'il y a une fierté dans moi. Je suis fière qui moi ivoirienne et comme je sais qui Côte d'Ivoire tu peux vivre, je finis apprendre sans ma manière causée. Ça finit diminuer mon orgueil un peu. De la situation ici parce que je crois que ça baissait un peu mon orgueil en fait. J'ai appris à me prendre un peu moins au sérieux. Mon fils apprend à prendre moi un peu moins au sérieux parce que n'importe quel pays qui nous vient, nous tous nous vivons la même situation côté dans la guerre, conflit et difficulté. Alors, mon père tient à poser situation en RDC parce que mon pays peut vivre les mêmes affaires, quitte fois d'une autre façon, mais c'est la même situation. J'avais à respecter. Je suis bien respecté ce qui me peut trouver et pour simplement sa bandimoune là devant le Seigneur. L'amitié avec Jésus, l'est beaucoup plus important qu'il me la vit. L'amitié avec Jésus, l'est plus important qu'il me la vit. Je suis à peu prier quand doucement, je finis sentir sa parole-là monter dans moi. Au début, j'étais surprise par cette parole. Dans le commencement, je suis étonnée et me dis à moi-même, Seigneur, il ne faudrait pas exagérer. Je finis déjà de ne pas me la vie. Alors, si l'amitié avec toi, vis-à-vis une pli importante qui me la vie, ça l'est impossible. Quelque chose qui me dépassait parce que cette phrase était de plus en plus. Mais tu as une affaire qui te dépasse moi parce que sa phrase-là, tu peux venir de plus en plus fort. Après, c'est moi-même qui te peux arriver à dire sa parole-là pour moi. L'amitié avec Jésus, l'est beaucoup plus importante qui me la vie. Et plus je me répète, plus je me tire de moi compte qu'il c'était une vérité qui me tient à mettre en pratique. Je n'ai pas capable de vérifier ça. Et quand je suis arrivé ici dans la case, je finis tout ça de près. Je l'ai vraiment vérifié. Hein? Mais viens chercher la feuille.
nous sommes souvent sollicités. Souvent, Bandimoun vient rôder nous. Régulièrement, Bandimoun vient taper la porte pour demander un coup de main, soit parce qu'ils ont faim, soit parce qu'ils ont besoin de casse. On donnait soit de l'argent. Nous t'y donnons l'argent ou bien quelque chose pour manger. Mais moi, je me rends compte que plus nous donnons, plus de monde vient taper la porte. Et parfois, c'était même des monde qui peut venir 3, 4, 5 fois. Au bout d'un moment, ça commençait à m'agacer. Après un certain temps, ça commence à agacer moi. Et là, moi, agacé, moi, je commence à prendre l'habitude de ne pas donner. Mais ça peut faire mal à un problème de conscience. Et moi, finalement, compte que moi, je retrouve présence bonté dans mon équerre. À l'intérieur de moi-même. Sa solitude intérieure-là, l'était nécessaire. Parce que c'était dans l'espace-là qu'il enseignait un petit attachement avec lui pour qu'il soit capable de vivre une véritable communion avec les autres et pour qu'il soit capable d'aller vers les autres en dehors. Vers ceux de l'extérieur. Ce que le Seigneur me demandait, ce n'était plus de la générosité. Ce que le Seigneur t'y peut demander moi, il n'y a pas t'y peut dire moi, il n'y a donné, donné, parce que moi, n'est plus capable et que moi, t'y peut agacer. Mais ce que le t'y peut demander moi, c'était surtout l'obéissance, parce que ça, t'y a peut résister moi avec le Seigneur. L'obéissance, t'y peut remettre moi là côté le Seigneur, t'y peut atteindre moi, là côté les bisous moi. Et c'est là qu'il m'a fait sentir que le Seigneur t'y peut invite moi simplement à accueillir un dimoun parce qu'il y a un dimoun. La personne parce que simplement c'est une personne. En tant que couple, nous avons. En tant que couple, nous fin choisir pour suivre Jésus. Dieu nous a tout donné. Bon Dieu, il nous donne nous tout. Il nous donne nous la vie. Il nous donne nous nos bons enfants. Bertie et Kinyas Boulouémé, sont des enseignants. Ils sont sortis depuis commune Kalamou. Et avec des enfants, ils cheminent avec la communauté Chemin Neuf. J'ai participé au JMJ. Comme tu participes dans JMJ 1997 en France, mon matin t'y accueille à moi. Il t'y reste prêt à Paris, en Argenteuil. Et comment me tisane, il finit un rôle d'un garçon pour moi. Il t'y a envie de marier en moi. Il y avait un homme qui voulait me prendre en mariage. À ce moment-là, j'étais fiancée à Ignace. Mais ça, à l'époque-là, moi, j'étais fiancée avec Ignace. Ça bougla une vignée, les filles nous faisaient moi tout, mais mon fils Jali qui m'a aussi déjà engagé. J'ai projet de vie de quelqu'un. Et ils m'ont trouvé un peu drôle. Et je trouve ça drôle parce que dans le Congo, tout est un peu en bas là-haut. Et ça, les temps-là, ben, le musicien congolais t'y a fait dire en Afrique, les faire saut. Et en Europe, l'Afrique, c'est les paradis. L'Afrique, c'est l'enfer. Et puis, en Europe, l'Europe, c'était les paradis. L'Afrique, c'était l'enfer. Et chaque fois que tu peux poser moi cette question-là, vraiment, ton envie retourne dans l'enfer alors que tu as une vie dans le paradis. Moi, tu réponds, moi, préfère retourner dans l'enfer pour me vivre en paix parce qu'il m'a gagné un problème de conscience. J'ai dit catégoriquement non. Moi, je finis un non catégorique. Je ne pas fin comprendre moi. C'est que tout le monde souhaitait aujourd'hui, c'est voyager. Quitte Congo, quitte l'Afrique pour aller en Europe. Quitte le Congo, quitte l'Afrique pour aller en Europe, mais ça ne m'a pas plu parce que j'avais déjà des engagements. Mais je ne suis pas content de ça parce qu'il m'a dit qu'il y a un engagement avec Ignace qui est là contre moi aujourd'hui et me trouver qu'il y a en moi, nous vivre dans la paix. Je ne suis pas regretté qu'il m'a fait refuser ce mariage en Europe. Là. D'avoir refusé ce mariage-là en Europe. Moi, je crois que si tout le monde. Je crois que si tout le monde commence content sa pays là et qu'il nous commence travail normalement, pour un grand sens qui bande affaire, moi aussi. Jésus est une solution parce que. Jésus, il y a une solution parce que tous ceux qui croient dans lui viennent du monde nouveau. Il devient une personne nouvelle, c'est-à-dire que. C'est-à-dire qu'il n'a plus vivre comme avant. Il agit comme un du monde qui est dans le Christ. Étant dans le Christ. Si tout le monde croit dans Jésus, Zodi, et qu'il y convertit, Jésus pour transformer les cœurs dans le monde, et les autres cœurs pour transformer le monde.
pour ce mois-là, nous associons nous avec Parole Sœur Eliane, nous propose prier pour ce pays-là, République démocratique Congo. J'ai appris à beaucoup observer. Mofine apprend pour observer beaucoup. Mofine trop saisie pour qu'il ne m'a pas arrêté et observé. Et Motiapé pose ma question au bon Dieu, au bon Zoom. Et me rappelle qu'assez souvent, Motiapé dit à moi-même, Seigneur, c'est là l'Ienzoom, Seigneur, ça c'est un papa. Guette dans quelles conditions je t'étais, sa Zoom-là. Et j'essaie de mon cœur une prière pour cet homme, pour cette femme. Ça t'y met moi vraiment dans la prière pour ce qui Motiapé trouvé. En contact avec Dieu en prière, quoi, pour. Pour ce que je voyais. La parole Samoala lit dans l'Évangile Saint-Luc, chapitre 4, versets 18 et 19. Sa parole prophète Isaïe, qui est aussi prononcée par Zézie dans synagogue Nazareth, sa même fondement vocation communauté chemin neuf et fraternité œcuménique internationale. L'Esprit le Seigneur lit en moi, parce qu'il est fin consacré moi par l'onction pour apporter bonne nouvelle ban pauvre. Les fin envoie moi annonce délivrance ban prisonnier et qu'annonce ban avec qui se retrouve la vie. Donne ban opprimé cette liberté et proclame l'année de grâce pour bon Dieu. Comme à Lucie, avec ben les autres jeunes différents pays, il est possible pour aller en mission pendant un an ou des ans avec Communauté Chemin Neuf dans le cadre d'un projet de volontariat international, JET. Azodi et Naban JET qui vivent dans une quinzaine de pays en communauté exotoservice ban plus pauvres. Si ou envie participe dans Mission Communauté Chemin Neuf en Afrique ou dans les autres pays, côte communauté l'y présent, ou soutenir sa mission-là financièrement, ou capable contacter nous à netforgod@chemin-neuf.org.